écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Tiens, Raphaël, tu tombes bien, ça fait 3 quarts d'heure là que je suis avec un client, j'ai un problème avec lui. Ok, Audrey, j'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps à résoudre les problèmes des autres, n'est-ce pas? Souviens-toi, Raphaël, l'ambition de l'aidant. Alors, le profil 2, qu'on appelle l'aidant, son besoin, lui, c'est d'exister à travers la satisfaction qu'il va apporter aux autres. Ce qui veut dire que quand les autres ont un problème, il va surinvestir d'attention pour les autres. Et c'est pour ça qu'il se laisse emporter par la problématique de l'autre. Son grand désir à lui, c'est justement de satisfaire l'autre pour le rendre heureux. Et sa grande peur derrière, c'est le sentiment d'être rejeté. C'est-à-dire qu'il croit que s'il prend en compte les autres, alors c'est quelqu'un de bien. Et donc c'est pour ça qu'on va le réaider à s'orienter véritablement sur ce qui est important pour lui. Dans le cadre de son travail, qu'est-ce qui est important pour lui à travers l'autre? Tu sais, Audrey, je comprends ton besoin d'aider et de soutenir les autres. Mais toi, est-ce que ça t'aide par rapport à tes propres préoccupations? Non, mais je crois que t'as raison. Faut que je m'occupe un peu plus de moi, ouais. Ça vaut bien un toast? Expérimenté.